64% des Français estiment que le handicap est un obstacle au bonheur et à une vie épanouie. Le rapport sur les politiques publiques du handicap, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme est sans appel, les préjugés persistent. Le handicap est majoritairement perçu comme une tragédie personnelle et synonyme de « souffrance », « méfiance » et « malaise ». Les jeunes sont particulièrement sévères. Près d'un tiers des moins de 35 ans interrogés estiment que les personnes handicapées coûtent trop cher et sont une charge pour la société. Des préjugés qui contribuent à minorer les droits de ces citoyens. L'étude propose 27 solutions pour changer la donne, renforcer l'accompagnement à l'école et en emploi, revenir à 100% de logements neufs accessibles. Mais aussi renforcer les permanences juridiques et autres points d'accès aux droits, bannir les discriminations en ligne. Accédez au résumé de ce rapport, publié en décembre 2023, en facile à lire et à comprendre, FALC, en quelques clics sur le site cncdh.fr.